Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 juin. J'embarque mon vélo sur la voiture pour démarrer une balade de découverte à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Allez, on y va. Yes. Aujourd'hui, je pars avec Catherine et son VTT La Pierre. C'est beau, hein? Super. À gauche, la buse, une buse à gauche. Ah oh, ouais, j'ai vu. Moi je vois tout, ne t'inquiète pas. Ah bon. Catherine a fait du sport toute sa vie, natation, musculation, jogging, vélo, rien ne l'arrête. Villars-Saint-Nauge, départemental 118. Alors Katawarta, prête pour le Tour de France? Tu t'entraînes? Ouais. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sentait le Troène là. Fleur. Troène. Nous roulons depuis presque 10 km et n'avons pas encore croisé une seule voiture. Bonjour. Et voilà, nous venons de croiser les premiers humains de la journée. Et c'est des cyclistes!
les orchis pyramidales. Superbe, bien en fleurs encore là. C'est important le stretch en vélo. Hein. Ah, yes. Bon, sauf que là on est un peu au milieu de la route, mais bon. Voilà. Et j'ai un peu faire le tour. Alors, la route est à nous aussi. Ouais. Comme c'est beau tout autour, tout toi, wow. Grandes herbes, le champ, la forêt. La route est très belle. C'est magnifique, ouais. On y va. Chevreuil là-bas. Je sais pas si on peut le voir, elle s'est fait faire loin pour la GoPro. Bon, voilà une cycliste qui peut pas s'empêcher de faire des stretches à tout bout de champ. Même dans les virages. Là, le petit chemin. Ah bon? C'est ce petit chemin-là que je voulais prendre. Ah ah! Une scierie. Voilà où arrivent tous les arbres du coin. Avec son VTT, vélo un peu pâteau sur la route, Catherine roule pratiquement tout le temps à la même allure, alors que moi je peux me permettre des petits démarrages un peu plus vifs, ce que j'adore faire de temps en temps. Un bon petit gravel comme ça, c'est quand même bien. Hein. Je m'amuse beaucoup. Ah, la Haute-Marne, c'est vraiment le pays du bois. Hein. Et avec l'accent d'ici, on dit le bois, le bois. Thank you.
Ça, c'est des hirondelles de rivage, on dirait, qui font des nids là. Incroyable. Ça, c'est intéressant. Ouais, il y a plein d'hirondelles qui nichent dans la sablière. Waouh. Puis un terrier en bas. Ouais, super cette sablière. Enfin, il faut pas qu'ils viennent chercher du sable maintenant. Mais je pense pas, parce que là, c'est la période des nids. C'est magnifique de voir ça. Belle petite découverte. Hop. Et on repart. Dépêchons-nous. J'ai vu un endroit, il y avait une carrière de sable avec plein de nids d'hirondelles creusés dans la façade de la sablière. D'accord, super. C'est bien. C'est le paradis des cyclistes ici. Oui. Regarde cette belle petite route, formidable. Oh, mais la forêt aussi, elle est belle. Regarde, c'est haut les arbres là. C'est différent de chez nous. Hein? Ils sont plus hauts. C'est bien vert, dis donc. Vachement différent ici, je trouve. Ouais, ça fait frais, c'est bien.
petit chemin qui a l'air mieux là.
C'est bien, hein? Ouais. Pas mal, la fin. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette balade et de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine fois. À bientôt.